Maliki. Cette jeune fille ordinaire, que rien ne semblait prédestinée au formidable destin auquel elle allait devoir faire face, ou peut-être qu'au contraire, tout l'y poussait. Difficile à dire. Cet enfant, qui toute jeune, après un terrible traumatisme, accueillit en son corps une entité surnaturelle nommée Cristallisation. Après des débuts chaotiques, elle apprivoisa cette autre version d'elle-même et utilisa sa puissance pour venir en aide aux autres, ou du moins le croyait-elle. L'histoire commence au moment où... Excusez-moi, mais d'habitude c'est moi qui raconte ma vie. Vous êtes qui ? Ton narrateur, jeune fille. Parfois c'est bien d'avoir un regard extérieur, tu sais. Je tiens déjà un journal intime très complet. J'ai pas besoin d'un narrateur. Eh bien, considère que je suis comme ton journal intime, Maliki. Je suis une part de toi, et un peu plus objectif. La pauvre Maliki, donc, ignorait encore que cette singularité métaphysique serait le point de départ d'une indomptable cascade d'événements qui allait affecter bien plus que sa petite personne. Ma petite personne ? Car Maliki, en embrassant cette part de magie, était devenue un aimant, la lueur d'un phare dans les ténèbres, visible de tout ce qui se trouve aux limites imprécises du monde. Et croyez-moi, il s'y tapit des choses que vous n'avez pas du tout envie de rencontrer. Bon, ça va, vous n'allez pas tout spoiler non plus. Sur ce point, tu as raison. Je vous laisse découvrir le reste par vous-même et je vous invite donc à vous procurer ce recueil des 3 tomes des romans Maliki, L'autre fille dans le miroir, L'esprit empoisonné et Des milliers de murmures dans une réédition de luxe sur papier, mais aussi surtout en livre audio. Notez que si vous optez pour la version audio, c'est votre serviteur qui vous accompagnera durant plus de 20 heures d'écoute palpitante. Perso, je préfère la version papier. C'est bon, je sais lire, j'ai pas besoin qu'on... Oh, ne l'écoutez pas. Tenez, pourquoi ne pas prendre les 2? C'est encore mieux. Arrêtez de me couper la parole, sinon je vais vraiment m'énerver. Allez, c'est le top départ de cette campagne Ulule. Plus vous participerez, plus nous pourrons améliorer la fabrication du livre, ajouter du contenu et des goodies exclusifs. Et... Mais, Maliki, qu'est-ce que tu fais? Je vais vous apprendre à me voler la vedette! Ah non, pas la massue! Pas la massue! Oh non! Voilà qui est mieux. Je compte encore une fois sur vous et votre soutien pour faire exploser ce crowdfunding et nous permettre de continuer notre aventure dans l'édition indépendante. Et désormais, l'aventure du livre audio, grâce à l'inestimable Vincent Roupion. Et moi-même, bien sûr. J'espère que vous aimerez les petites surprises qu'on vous a préparées tout le long du chemin. Bisous. C'est ça, oui. Bisous. Bon sang, elle cogne vraiment comme un mammouth. Maliki, Griffes et Racines. À bientôt sur Ulule.